le 5 septembre, il a été reconnu pour la célébration des deux Dakar du vénéré Cheikh Amadou Bamba. Il a effectué en 1895 ici, dans le bureau du gouverneur fédéral à Saint-Louis. Nous, pour le service national de l'hygiène, ce que nous avons planifié comme activité, nous allons renforcer les activités de lutte antibactérienne. Parce que, comme vous le savez, les deux Dakar vont se dérouler dans un contexte de la saison hivernale et aussi avec la recrudescence de plusieurs maladies, maladies diarrhéiques et de maladies d'origine hydrique. Alors nous, le service national de l'hygiène, indépendamment de la lutte antibactérielle, va mener des activités de DSC, d'éducation, d'information, d'éducation et de sensibilisation pour le changement de comportement au sein des grandes cuisines et également pour essayer de prévenir les maladies qui assaillent les populations en circulation et également mener des activités au niveau des sites d'hébergement, c'est-à-dire le traitement intradomiciliaire. Là, nous l'avons déjà terminé, bouclé en 3 jours. Maintenant, nous préparons les équipes de saupoudrage qui ont déjà commencé les activités depuis hier nuit, le premier, et aujourd'hui le 2, dans la nuit, à partir de 0h jusqu'à 5h du matin. Nous allons continuer sur toute l'étendue de la commune. Comme vous le savez, donc ces opérations, nous les avons menées grâce à l'appui donc, de la mairie et du service national de l'hygiène et de la région médicale. Donc c'est la région médicale qui a mis à notre disposition une petite quantité de produits. Et la mairie aussi a complété le reste avec 2 tonnes 500 de poudre et également a mis à notre disposition du carburant pour mener à bien les opérations. Le service national de l'hygiène aussi n'a pas été du reste parce qu'il nous a appuyé au premier jour donc, de la préparation des deux racas avec de l'insecticide liquide, du carburant et aussi avec des atomiseurs pour couvrir toute la manifestation religieuse qui est une manifestation donc majeure au niveau de Saint-Louis. Donc le jour J, c'est la sensibilisation au niveau des grandes cuisines et également aussi la sensibilisation des personnes sur le lavage des mains qui, ma foi, peut participer à la réduction de 44% des maladies hydriques, des maladies diarrhéiques.